Coucou, c'est Maëlys et on s'en dit de nouveau. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette toute nouvelle vidéo, qui sera sur la spéciale Dalmatien. Tu joues Nintendo Biscuits comme toujours, hein. Donc voilà mes chats. Donc, ça fait quelques jours que je m'en suis pas occupée. Bah tiens, elle est devenue dodue. Ça faisait longtemps. Donc, on va leur donner, excusez-moi, on perd toujours un peu de temps, mais je préfère au moins faire les soins de mes animaux avant. Comme ça, au moins, on n'aura pas à faire juste après. Donc, ils sont tous gros, donc je vais leur donner du diététique. Voilà. Donc, je filme toujours avec un téléphone, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux déjà les reflets du jeu. Enfin, qu'on voit un peu mieux les couleurs, parce qu'avant c'était vraiment affreux. Ouais, elle est sale, mais je la laverai demain. Ou tout à l'heure. Et ouais, je trouve qu'on voit largement mieux au niveau des contours et tout, des chiots. On voit beaucoup mieux leurs couleurs. Alors, bienvenue au chenil. D'accord. Alors. Donc, les dalmatiens se trouvent ici. Entre les huskies et les bassettes. Donc, si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les huskies. Donc, nous, on s'intéresse aux dalmatiens. Donc, on a des blancs à taches noires ou des surprises. Dalmatien, cette race d'origine croate a souvent produit des chiens de chasse ou de garde. Et de garde, pardon. Oh, ils sont trop beaux. Alors, lequel? Celui-là. Regardez-moi ces petites têtes, elles sont trop belles. Alors, la compagnie des gens cède à ce mal qu'ils les connaissent ou non. Donc eux, ils coûtent 1380 €. Comme je vous l'avais dit dans, enfin, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, chaque chien a sa propre somme. Mais après, souvent la plupart c'est vers 1300, 1480, un peu du genre. Mais ils n'avaient pas la même somme. Donc on va prendre celui-là. Voilà. Très gris au niveau des oreilles. Vous devez sûrement voir un gris foncé. Moi, je vois un gris très clair. Je zoome un peu. Voilà. Que vous verrez un peu mieux, j'ai l'impression de venir. Non, ça change pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Un mâle de nature enjouée qui aime se dépenser. Maintenant, on va faire donc surprise. Alors, ah bah tiens, celui-là, il est assez particulier si je puis dire. Vous voyez? On dirait un genre de petit dog allemand, je sais pas trop. Mais...
un petit casse-cou qui aime s'amuser avec n'importe qui. Là, vous pouvez voir un noir basique. Et là, pour en avoir avec des oreilles marron, on va prendre celui-là. Vous voyez, c'est des oreilles marron. Vraiment très sympa, je trouve. Je vais baisser un peu le son parce qu'on ne s'entend plus. Voilà, donc je trouve vraiment ça très sympa qu'ils puissent inventer un peu un genre de dalmatien avec des couleurs un peu différentes. Vraiment, vraiment sympa. Dès qu'il a son nez, son œil, c'est rigolo. Ce sommet n'est pas très futé, mais adore se dépenser. Je vais rester une dernière fois surprise, mais... Non, il n'y a pas de couleur extraordinaire. Oh non, tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, la vidéo sur les dalmatiens est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir tout le monde, bisous.